dans ce qui a rapport avec migration dans pays Chili, groupe cap-papier réfugié avec la patrie au gars dit yo troublé face avec comportement raciste certains citoyens chiliens contre migrants haïtiens yo gars condamné et puis en même temps mandé chancellerie haïtienne nan pour prendre responsabilité pendant autorité pays Chili yo continue à retourner ressortissants haïtiens depuis 2 semaines. Reportage collaborateur non Peter Sanger. Gagnance pour citoyens haïtiens qui dans pays Chili, c'est en tout cas constat responsable groupe capitaine rapatrié réfugié au gars. C'est première fois ça arrivé pour autorité au pousser d'eau quantité haïtien ça yo d'après organisation Cap défendre droit migrant yo. 169 passagers étaient obligés d'attendre pendant 4 jours avant pour te joindre un vol pour tourner la caille. Haïtien ça yo t'est fermé dans mauvaises conditions qui passait en bas pied dignité yo et puis qui dépamé avec droit monde d'après responsable communication avec plaidoyer dans gars. Géralda Saint-Ville-Lubin. C'est un message pour montrer que Chili ou autorité chilienne veut mettre en campé là, dans l'immigration, pas qu'à faire de manière effrénée, je veux dire stop. Mais tout nous est accompagné de ça, une situation de peur qui a venu avec menace, avec vidéo qui a circulé pour montrer que vous saturé. Il y a plusieurs monde qui fait état que vous avez des pancartes qui montrent que qui marquait que haïtien ou pas bienvenu tout ça. La police Chili bay comme raison c'est à cause haïtien ça ou pas de gain réservation hôtel valide pour être rentré dans pays a. Une décision qui pas cadré avec loi sur migration pays Chili. C'est un acte qui semblait tête coupée avec discrimination d'après Gérald Saint-Ville-Lubin. Yo kembe bagage yo, yo dormi à faire dans ciment, yo pas bay yo nourriture assez et tout, yo pas vraiment avec barrière linguistique là informé sur pour qui raison yo kembe yo et qui ça va faire avec yo. C'est des petites irrégularités qui pas besoin que yo kembe moun yo dans condition ça. Pour nous même au niveau de gars, nous contester ça cette là puisque si des violations de droits humains là dedans, nous pas ca libérer avec. 100 000 haïtiens déjà installés quoi dans pays Chili dans l'année 2017. Comportement raciste contre quelques haïtiens ça revient augmenter dans dernier jour ça yo. Qui ça représentant diplomatique pays d'Haïti yo fait? Est-ce que vous interpellé devant situation ça? Nous pas attendons une intervention au TV qui suivit à bail, nous sentons qu'il y a un silence total. C'est ça que nous-mêmes nous demander pour vous positionner rapidement et faire suivi qui va permettre que d'autres situations de ce genre pas répéter. Gagnons avenir triste qui a dessiné pour plus passer 1 million haïtiens qui a cherché contre l'espoir fait quoi dans le pays Chili avec nouveau président ça qui arrivait dans tête pays là. Sébastien Piñera, c'est un conservateur qui sortit dans la droite et qui était déjà promet depuis la campagne électorale, les pral passer maintenant politique migratoire pays Chili. Peter Sonchéri, Caraïbes FM. Merci en pile Peterson chéri collaborateur nous t'a présenté un reportage si là mauvais traitement migrants haïtiens ou à victime dans pays Chili dans dernier jour ça yo c'est résultat maladresse dirigeants haïtiens yo qui pas prend aucune disposition pour contrôler migration massive ça c'est position observatoire haïtien droit monde dans cadre d'une conférence jeudi vendredi OHDH dénonce silence autorité sous situation plusieurs centaines de migrants haïtiens. Gouvernement pays Chili a voué retourner dans le pays sans aucun respect pour principe yo. Secrétaire général OHDH Lange, Joanne Mezius, lui exigeait une intervention diplomatique rapide gouvernement haïtien, une façon pour réclamer beaucoup de gouvernement pays chilien respect traité à convention qui vient pour acte droit migrant yo. Joanne Mezius, Dynamico, Randy Charles. Nous même dans niveau observatoire là, ça qui inquiète nous c'est par rapport à traitement qui au bail ressortissant ça. Donc nous constatons que traitement qui au bail haïtien ça yo, son traitement qui viole les droits fondamentaux, son traitement qui viole la dignité humaine. Nous même dans niveau observatoire là, nous connaît que même lorsque autorité chilienne n'est pas d'accord pour ressortissant haïtien entrer dans pays là, yo supposé traiter avec dignité et c'est pas ça que t'es fait. Par exemple, il y a monde qui abdomen même le sol, il y a monde qui pas à manger. Qui pas joindre manger pour manger. Il y a des gens qui malades qui pas joindre médicaments appropriés à soi. Donc c'est des cas qui montrent que le respect de la dignité de la personne n'est pas garanti par les autorités chiliennes. C'est droit autorité chilienne pour déporter tout le monde qui vient la caillou de façon illégale. Mais il faut qu'on fasse dans le respect et du droit international humanitaire et de l'humanitaire en soi qui permet de traiter les gens avec dignité même lorsque c'est des migrants, c'est des gens qui cherchent la vie, qui sauvent quitter pays pour chercher la vie. Donc les autorités chiliennes devraient les traité avec dignité en respectant les principes de l'humanitaire et en respectant aussi les principes du droit international humanitaire. Nous, maintenant, au niveau observatoire haïtien des droits humains, nous condamnons le comportement laxiste de l'État haïtien qui d'abord
pas de jambes prendre pièce disposition depuis l'année dernière pour te bloquer une série des haïtiens qui parlent au Chili de façon illégale sans qu'on ait qui ça va pas régler. Yo pas de jambes prendre disposition pour te bloquer vague migration irrégulière ça. Or, qu'on y a là, malgré situation ça a répété, malgré Haïti trouver une situation difficile ça, nous pas attendre un ministère affaires étrangères et commission affaires étrangères et Sénat et chambre députée a yo pas prononcer sur question ça. N'a demandé pour fixer position officiellement sous traitement inhumain et dégradant qui ressortissant haïtien yo apprend dans n'importe Chili qui c'est une atteinte à dignité humaine mais qui c'est une violation tout des droits fondamentaux moun sa yo. De façon diplomatique, l'État haïtien peut demander aux autorités chiliennes. C'est vrai qu'elle a déporté Mounio, nous allons revenir. En attendant que je prenne des mesures chez moi pour que la situation remédie, il faut que vous traitez les gens avec dignité. Or, ce n'est pas ça que fait. L'État est supposé prendre des engagements pour demander aux autorités chiliennes de façon formelle, Mounio a déporté pour respecter la dignité, pour respecter les droits fondamentaux. Voilà pour position organisation droit monde ça et OHDH qui fait qu'on est mauvais traitement migrants haïtiens yo victime dans pays Chili dernier jour ça yo c'est résultat maladresse dirigeants haïtiens yo qui pas prend aucune disposition pour contrôler migration massive ça n'a parlé dans pays Chili côté j'en connais déjà depuis hier dimanche là pays ça Chili qui vient très proche nous d'ailleurs avec communauté Haïtiens, l'autre bois est estimé à presque 400 000 Haïtiens. Eh bien, Chili gagne un nouveau président, c'est milliardaire Sébastien Pinella qui te menait une campagne particulièrement sous migration. Côté le promet s'il arrivait président, il prêt à changer politique migration pays ça. Côté pendant dernière année ça, j'en ai constaté, il gagne ressortissant plusieurs pays, d'un coup Venezuela, Colombie, Pérou, Haïti qui envahit Chili, ça qui passe en conséquence sur la vie chilien. Certainement, en tout cas, dans une interview, Libaï semaine ça, quelques jours avant l'installer comme président, nouveau dirigeant chilien, hein, fait qu'on est, il n'y a pas aucun problème avec l'étranger qui respectait la loi. Donc, ça qui pata et doit créer panique la caille haïtien, parce que nous voulons quoi que haïtien, yo respecter la loi. Fernando, estimé, bonjour, n'a pas rappelé où c'est spécialiste, nous, sur question internationale, depuis plusieurs semaines, nous très présents dans les médias, aujourd'hui, nous invitons à garder avec nous nouveau président chilien. Les conséquences, vous pensez, ça pourrait le gagner sous vague migration haïtienne, l'autre bord. Question, est-ce que y a une raison pour Haïtien de paniquer? Bonjour, nous saluons Pierre-Renel René, nous saluons Bob C. Guerrier, nous saluons et nous saluons tout auditeur Radio Caraïbe Cap Côté, journal Première Occasion. En fait, Pierre-Renel René, nous sommes contents de rapporter propos. Président Chilia, nouveau président Chilia qui prêtait serment hier matin dans Valparaiso et jodi a cap lever dans palais La Moneda comme président pays Chili. Alors ou dit un mot dit a peut-être pas prêter toute attention avec ça. Ou dit monsieur dit pas il pas gain problème avec aucun monde immédiatement que mon yo respecter la loi pays Chili. Oui, c'est ça. Et bien justement pour ça qui concerne nous, c'est entre nous et créole n'a parlé. Haïtien qui a vu Chili ou pas respecter la loi Chili. Ça me dit très fort, mais m'a expliqué comment le dossier a été. Ça passe. Haïtien qui a vu Chili, il dit qu'il va le faire touriste. Mais dans la tête, il connaît ses rétés, il va le rété Chili. C'est pas sans raison, le bras Chili a eu une réservation hôtel, il m'a donné la coupe-pêche. Si on m'a donné une réservation d'hôtel, on connaît ses pas habitants, on vient habiter dans le pays, mon yo. Donc c'est touriste ou joie le fait, c'est pour un petit temps aller. Donc, puis les haïtiens qui entrent, qui ont habité Chili, ils ont fait ça son faute. Par contre, soignant cela. Donc, de fait, ou dit est-ce que Haïtien a une raison pour inquiéter yo? M'pa kwe yo pa gen tan inquiéter yo déjà. Parce que le nouveau président qui monte à qui est des alliés de la droite, qui pas finoué de très bon immigration haïtienne nan, au Chili. Ça pas veut dire parce que Chili est aussi tout là de l'ovinatif.
Mais il y a quelques semaines, un reportage qui était fait, un journaliste chilien était venu ici en Haïti, côté le fait, un reportage qui fabriquait cet épisode, moi, quoi. Côté le parler de la vie ici en Haïti, et bien ça le passe chez lui, bien ça nuit, non, en pile. Et qu'on paquet de monde qui est préjugé favorable par rapport avec des migrants haïtiens qui nous nous-mêmes, j'en ai maltraité nous-mêmes, j'en nous considère comme des citoyens de seconde zone depuis le départ là. Par contre, on est bien venu nous même on compte passer dans les portails pour tout cette ouverture, l'opra le Miami, l'opra l'Orlando. C'est pas le même traitement ça. Il y a un monde qui est devant marié qui est malade. Qui donc des salines des petites en dedans, des salines des petites dehors. Nèg yo fait 4-5 jours à dormir devant un pot de malaria. Dans la ria, le bat soleil, il bat poussière. C'est pas même traitement ça. Joigne le bras aux États-Unis. Alors que yo, tous ces citoyens haïtiens, l'État haïtien doit tous ces citoyens haïtiens, même niveau protection. Eh bien, qu'on y a un paquet mon au Chili, qui commençait par de monnaie immigration haïtienne, non? Même si, pour nous honnêtes, nous disons que c'est Vénézuéliens qui viennent au Chili plus dans le moment. Les Vénézuéliens ont une affinité culturelle avec les Chiliens, ils parlent les mêmes langues et ont un niveau d'éducation qui est élevé que les migrants haïtiens. Alors, ils font partie de migrants haïtiens que nous baillons. Fernando Estimé. Yo ouais président Pinella tant que yo Donald Trump, est-ce que vraiment gain comparaison de personnages ça yo en fait qui est monsieur yé nouveau président chilien Pinella et Sébastien qui installé ailleurs comme nouveau président pays ça et c'est pour la deuxième fois il retourne dans tête pays. Moi-même j'évite toujours de faire des comparaisons entre deux personnes différentes. Sébastien Pinella s'est considérablement assagi. Évidemment il est milliardaire comme Trump, lui-même il a une fortune de 2,7 milliards de dollars que le fait dans une chaîne de télévision que le gagne avec un club de football que le gagne. Mais la comparaison peut s'arrêter là. Pinera est plus sage et plus douce dans le dossier migration surtout. Et puis, c'est deux personnes, c'est Donald Trump, c'est un match vu pratiquement. Donc c'est deux mondes assez différents, même si tous les deux, c'est milliardaires qui entrent dans la politique, qui réussissent à faire une grosse carrière politique. Monsieur, et la comparaison s'arrête là. Donc, monsieur Promet, pour le venir avec de nouvelles lois sur question immigration. Oui, parce qu'il se trouve que le chef de Haïti a avantage que vous avez mis Chili, sans ou pas besoin de visa. Dirigeant Chili, vous pas déjà imaginé que vous avez obligé à accueillir tout Haïtien, ça y est. Nous gagnons 3 millions de jeunes haïtiens qui gagnent entre 18 à 30 ans. Pas gagné aucun pays sous la terre qui ait vocation pour accueillir jeunesse haïtienne. Non. Jeunesse haïtienne, c'est en Haïti pour le vivre, c'est Haïti pour construire un meilleur lendemain. Pour jeunesse haïtienne vivre, c'est pas un autre pays qui va l'accueillir 3 millions de jeunes qui gagnent entre 18 à 30 ans. Pas gagné de monde qui a fait ça pour vous. Est-ce qu'on connaît chaque 10 minutes qu'il y a un haïtien qui entre au Chili? Donc, à ce rythme, on se prend 600 000 assez rapidement. Alors, bon, l'autre information. Est-ce qu'on connaît l'ambassade que nous avons au Chili? D'après l'information, c'est le lutteur pour moi, l'émission Espace International Weekend. Il y a seulement 8 diplomates avec 8 contractuels. Alors, l'aime parler de contractuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent faire travail de soutien, personnel de soutien ménager, bah, ça y est. Donc, il y a 16 personnes pour servir aux communautés qui gagnent plus que 450 000 personnes. Chili, sont gros tonton pays. Nous n'avons aucune présence dans le réseau. Si la si présence nous gagne, hein, c'est seulement la capitale, là, Santiago. Alors, Stanley Lucas a dit moi tout. Le président a instruit le ministre des Affaires étrangères là pour faire une mission pour connaître comment il est capable d'aider les citoyens qui vivent au Chili au mieux. C'est le ministre des Affaires étrangères là qui est délégué directeur général du ministère des Affaires étrangères qui c'est M. Fortuny d'Orléans qui a peine cette fait une mission au Chili. Et c'est presque dans la même période que ça a trouvé une crise là. Parce que ça vient très souvent.
nous-mêmes dans l'État Babo ici, nous agissons de manière irresponsable. Chili dit mais comment pour moun vin la kaili? Si pour moun entrer la kaili, c'est comme touriste la pandre, faut le gagner $1,000 américains dans poche. Et puis, nous quitter moun yo mouta avion, ça ou pas gagner $1,000. Chili m'a dit faut moun gagner chambre d'hôtel qui réserve sous non. Parce que c'est touriste li. C'est moi qui ça n'a pas. Et bien, faut moun gagner chambre d'hôtel. Nous pas quitter moun nan bâtier à bord de l'avion sans moun nan pas gagner aucun chambre d'hôtel. Les consa nous pas venir plaire si yo bloqué yo nan airport Chili parce que Chili te dit à l'avance mais comment pour moun entrer la Haïti. Et là il ça au passé. Et quand on est il ça yo, yo pas arrivé loin non. Jeudi dernier. Non, Fernando. Mm-hmm. Oui, m'd'après dire que sur question au hôtel là, m'pas songer de recevoir qui est là qui dit que gagnent c'est mettre hôtel yo qui viennent chercher de monde en dedans airport là. Donc qui te gagne faire réservation la caillou. M'pas contre t'étendre information ça. Oui, même t'endre, même pas répondre. Le problème plus profond que ça. Bah m'explique. Ou gagne un avion pote 300 monde. Est-ce qu'on connaît si gagne erreur sous identité on grain mon avion là. Et il a créé la guerre doit mander avion tout net. On a pas le coup 10 pour faire mon nom. Un seul monde. Parce que qu'on y a nous qu'on est des monde qui joue avec sécurité. Des questions de sécurité nationale, mon yo préféré pas prendre aucun risque. Ou gagne un avion pour 300 monde. Si c'est 10 monde ou gagne qui gagne réservation la donne. C'est normal pour les avions qui ont commencé à violer. Ils ont quand même pas avion, ça a eu des fines en anglais. C'est-à-dire au bal des amendes. Parce que le pote monde de manière illégale. Parce que compagnie aérienne, ils ont dit mais comment pour le pote monde dans le pays. Officier douanier, nous avons officier immigration, nous avons yo. Faut contrôler n'importe qui malari avec ligne aérienne. Yo. Est-ce que y a une réservation qui est faite pour tout le monde qui est dans l'avion? Est-ce que chaque passager qui est touriste en avion, je parle de monde qui a une résidence déjà au Chili déjà ou bien des étudiants, non? Monde qui est touriste en avion, est-ce qu'il y a une réservation d'hôtel? Songez dans le commencement de l'émission, je explique que plus fort monde qui vivent au Chili, il vivent au Chili sur un menti. Parce que dit c'est touriste, et dans la tête, il connaît, c'est habiter à l'habiter Chili. Et puis autorité a une grosse responsabilité dans ça. Autorité a une bonne relation avec le gouvernement chilien qui est en place là. Chili, il y a ambassade ici, il y a ambassadeur ici, il y a consul ici. Sous des ressortissants qui a bloqué dans l'aéroport, première nouvelle, premier rôle pour faire, c'est convoquer l'ambassade là, parler avec l'ambassade là, par la consul sous place là. Ou expliquer ça qui passe à ou garder qui modus operandi ou gal joindre pour ça pas répéter encore. Mais en attendant, moun ki rive yo, qui ça qui ka fait pour yo très facilement. Moi même Pierre Onel René, m'pap dormi en soirée pour je me ferme si m'pap ben. Imagine ou, on moun ge 5 jours, 6 jours, 7 jours, ap dormi sans pas ben. Imagine ou jeune fille. Qui c'est que ça gagne? N'importe la barre d'hôtel, n'importe la barre douche. Et vous obligez de traiter mon yota pour moun. Parce que j'aime dire à Dessalines, pas de petit en dedans, ni pas de petit dehors, nous toutes ces petites Dessalines. L'on Guyane première fait reportage ça. C'est pas si blessé le DCKM. Les mois haïtiens qui ont dormi à terre et qui ont tout le monde qui a changé radio jeune fille qui a déshabillé devant le public pratiquement. Pour changer la radio, parce que par un côté pour yon. Les journalistes disent une première, la patte de la charité avec nous dit. Lui maintient nous dégâts des paroles qui ne peuvent même pas répéter. Qui donc de fait, ça c'est image pays à cap vendre à l'étranger. Fernando, pas quoi dans le reportage là, c'est dégâts ou manqué, non, non. Yon montre nous, état bestial nous vient tomber, et puis, côté n'a manqué tête nous dégâts. On a passé tête nous dans risible et yo questionné tout. Est-ce que peuple ça dans condition infrahumaine lié là, est-ce qu'il gagne
on dirigeant qui a dirigé. C'est ça. C'est ça, nous venons l'aide moi-même. Ah oui, oui. Je ne vais pas souhaiter ça paraître comme ça. Ou qu'on est nous-mêmes, nous croyons que c'est si convaincant, nous faisons si cacher couvrir ça. Oui. Mais qu'on y a côté bagaille sous la place publique, l'aide là pour président Jovenel Moïse, lui pour ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue, lui pour responsable immigration, quitte Mounsayo, aller comme ça. Bon, les contacts sont malissés. On est à l'ambassadeur dans Mounsayo. On est deux haïtiens. Décider font si camper sous la pote haïtien Chili pour laisser régulariser quelques situations. Mais situation auprès de régulariser déjà. Oui. Et puis, plus gros problème, non, c'est pas par rapport à Chili, c'est par rapport au niveau de développement, nous supposons gagner 3 millions de jeunes, nous gagnons en Haïti, qui gagnent 10 à 30 ans, pour nous connaître qui ça n'a fait avec eux, pour nous bailler un plus bon pays, pour nous envie vivre là, caillou. L'on est fini la gestion inaguée, les finances comptent inaguées. Il n'est pas obligé à prendre chasse de l'autre côté. Fernando, Fernando, je n'ai pas cherché opportunité. Chili, c'est 5e puissance économique région. Je dis, il était connu dictature pendant 17 ans, 1973 à 90. Nous-mêmes, tout nous était connu dictature, mais et non, temps qui était plus long que ça. Donc, je dis, Chili, gagnant niveau stabilité économique et politique qui fait s'allier. Et je dis, qui secret percer Chili pour arriver là et qui c'est quand même destination yon de destination haïtien yo pas de secret dans faire court là qui blague là quoi ou besoin de l'eau ou besoin de cycle et pour mettre la voie pour la collapse c'est travail pour nous travail nous devons construire un meilleur pays faut mon société civile mon secteur privé forcer l'État prend responsabilité pour l'État mettre infrastructure de base qui régalienne avec lieu disponible et puis pour l'État capable d'encourager l'activité privée parce que c'est l'activité privée qui pour créer l'emploi, c'est l'emploi qui pour mettre pouvoir d'achat, c'est pouvoir d'achat qui baille la possibilité pour acheter des produits, même s'il t'achète des produits locaux. Ça a encouragé production nationale. Production nationale a croissance économique. Tout problème nous gagne avec côté goutte d'eau là, nous va contrôler à résoudre. Agent douanier a cap touché 17 000 gouttes qui sont salaire de misère. Et c'est même genre pour policiers, pour employés qui vivent dans l'État. Yo. 5 000 gouttes, 25 000 gouttes. Là, on a des petites qui l'école, il faut le faire boîte le matin pour y aller à l'école. Il n'y a pas aucun moyen pour vivre avec ça. Parce que 14 est avant trop cher, 14 spaghetti avant trop cher, et bien faut mettre l'argent dans la poche haïtien. Pour mettre l'argent dans la poche haïtien, c'est pas même je vous dis, Woodboy dit là, c'est à Bolotchouk pour jouer un chèque mort. C'est pour encourager mon travail, pour le travail dans des secteurs productifs, parce que pas aucun moyen pour nos 11 millions là, pour nous continuer à faire théâtre, pour nous rester des décideurs professionnels. Faut nous prendre tête nous au sérieux pour nous offrir 3 millions de jeunes d'ailleurs possibilité pour nous vendre tête un meilleur avenir. D'accord. Merci beaucoup, Fernando, estimé, pour analyser ça. Sourivé, nouveau président chilien qui est installé ailleurs, dimanche là, on a rappelé ses deuxième fois milliardaire, ça, Sébastien Piella, arrivé sous pouvoir dans le pays Chili, lui remplacer socialiste Michel Bachelet.